Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission « Toute la Bible en parle », une émission évangélique qui présente le Seigneur Jésus-Christ comme étant une personne vivante et authentique dans notre vie de tous les jours. Le professeur Jean Savoie et son épouse Linda seront nos invités à l'émission d'aujourd'hui et la chanteuse Thérèse Lachapelle, que nous rencontrerons un peu plus tard au cours de l'émission, fera une autre chanson pour nous. Nous avons de la documentation à vous offrir et c'est gratuit. La Société biblique canadienne nous offre Bonne nouvelle aujourd'hui et nous sommes très, très reconnaissants. Des centaines de personnes en ont fait la demande. Si vous ne possédez pas un Évangile ou un Nouveau Testament, nous vous l'offrons. Il y a aussi Le Christ inconnu par Gaston Racine. C'est un livre de quelques pages et ça nous fait mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ. Il est à vous. Faites-en la demande. Et nous avons aussi, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de demander les leçons de Marie, eh bien, nous en reste une certaine quantité. Demandez ce livre aussi, c'est gratuit, aux numéros qui vont paraître à l'écran. Prenez votre calepin, votre crayon, et notez bien les numéros qui vont paraître à l'écran. Les voilà. C'est Edmonton 403-449-5291. Grande Baie 514-375-4575, Montréal et la Rive-Sud 514-467-9966 et Sherbrooke 519-566-6946. J'espère que vous avez bien noté ces numéros. Ils pourront vous être très, très utiles. Vous pourrez communiquer avec nous. Et lorsque vous communiquerez avec nous, puisque c'est une émission de participation, dites-nous, demandez-nous, là où nous nous réunissons pour nos rencontres de prière, d'études bibliques, il nous fera plaisir de vous les faire connaître, si vous avez des questions aussi. Nous allons maintenant nous rendre auprès de Jean et Linda Savoie. Bonjour, c'est Jean et Linda Savoie. Ça fait plaisir de vous accueillir à l'émission Toute la Bible en parle. Et soyez les bienvenus. Bonjour, merci Bonjour. Beaucoup. Bonjour. Linda, c'est la première fois, elle? Elle vient comme invitée à l'émission. Mais Jean, elle nous a aidés pendant plusieurs années à Toute la Bible en parle. Pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire, qu'est-ce que tu faisais, Jean, au sein de l'équipe? Moi, j'étais plutôt en arrière de l'équipe. Alors, je m'occupais de la distribution des cassettes à travers la province. Et même, on s'est rendu jusqu'à Edmonton. Donc, la distribution des cassettes, lorsque les émissions sont enregistrées, elles doivent là, être diffusées à différents endroits, différentes villes. Et puis, je coordonnais ça un peu, m'assurer que les cassettes se rendaient à destination. Puis ça continue toujours, d'ailleurs. On veut dire un beau bonjour à toutes les villes qui sont représentées ici à l'émission Toute la Bible en parle aujourd'hui. Et Linda, qu'est-ce que vous faites? On veut se situer par rapport à vous aussi. Là, moi, je suis à la maison, je m'occupe de deux garçons. Ça, c'est un travail à temps plein? Oui. Et puis, je fais l'école dimanche, des 3-4 ans. Oui, très jeune. Oui. Déjà, ils sont à l'école du dimanche. Les gens ne connaissent pas... Pas tout le monde connaît ce que c'est l'école du dimanche. C'est pas un terme qui est tellement connu, je pense, en général. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu en quoi consiste l'école du dimanche, là où vous êtes présentement? Oui, c'est on leur apprend des bases de la Bible, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a créé. Là, on est surtout dans ce niveau-là là, pour le début. Et puis, surtout leur faire prendre conscience qu'il y a un Dieu, que Jésus aime les enfants et que les enfants sont importants pour lui, que ce n'est pas des demi-portions, là, ou des... c'est vraiment des personnes à part entière pour lui qui valent cher à son cœur. Et puis, on va leur apprendre que très tôt, qu'ils peuvent compter sur Jésus quand ils ont quelque chose qui ne va pas. Et ça, même à l'âge de 3 ans, on peut leur dire. Ah oui, mais plus jeune que ça, on peut leur dire. Même encore plus jeune. Ah oui. Je suis très heureux que vous nous ayez éclairé là-dessus. Les gens réalisent que même les enfants très jeunes peuvent être sensibilisés sur les choses spirituelles. Oui. Et ça peut commencer à l'église. Les familles viennent à l'église avec les enfants et puis on a des classes pour adultes, mais il y en a aussi pour les tout jeunes. Mm-hmm. Et vous aimez faire ça?
Oui. Bon. Mais nous, on avait entendu quelqu'un qui, dès la grossesse, chantait au bébé. Et puis, on a décidé d'essayer ça. Je chantais lorsque mon épouse apportait les enfants. Et ils ont comme un goût, un attrait vers la musique. Ah oui? Oui. C'est vrai qu'ils entendent, hein, l'enfant, le fœtus, l'enfant dans le sein de sa mère hein, peut entendre, il bouge et... Il se réveille, il dort. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, c'est ce qui arrive. Exact, oui. Alors, on peut commencer même lorsqu'ils sont dans le, à l'intérieur, bien au chaud. Surtout commencer à prier pour que le Seigneur dirige et oriente leur croissance et puis qu'ils soient, après, des enfants qui aiment Dieu et qui veulent le connaître. On va en parler beaucoup dans un instant de ça. C'est très important, l'émission Toute la Bible en parle, de parler de cette nouvelle vie. J'aimerais, juste pour nous situer par rapport à Jean, qu'est-ce que tu fais comme profession? Un jour, je t'ai vu dans un magazine pour des affaires. Je crois que c'était un magazine des affaires. C'est ça. C'est possible? Oui, c'est possible. Belle photo couleur de toi. Devant une classe, je pense. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, c'était le magazine qui m'avait pressenti. Je pensais pas atteindre, à si jeune âge, une certaine notoriété, mais on comparait... Avec modestie. On comparait les valeurs de la société par rapport à ce qui se faisait présentement, en particulier les salaires. On va noter quelqu'un en fonction de son salaire. Et puis, mon métier, c'est enseignant. J'enseigne les sciences dans une école secondaire. Et puis, on m'avait pressenti là-dessus, surtout pour représenter un domaine qui est quand même très important, la formation de la jeunesse pour les nouvelles bases de la société, les nouveaux métiers. C'est eux autres qui vont remplir la société et la faire fonctionner demain. Et puis là, on faisait une étude comparative de toutes ces de différents métiers en partant de l'athlète professionnel jusqu'à la technicienne ou le technicien en garderie. Eh bien, c'est intéressant pour vous deux, hein, d'avoir eu ce privilège de donner un exposé comme ça, de séculier. Mais on va passer aux choses spirituelles. Comment viviez-vous avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui, là? Vous êtes des croyants. Linda, vous êtes active à l'école du dimanche. Jean aussi, je pense qu'il est... Qu'est-ce que c'est qu'à l'église, vous êtes... Bien, je fais aussi l'école du dimanche, puis présentement aussi, je fais de l'enseignement, de la prédication à l'intérieur. Comment est-ce qu'on en arrive à être tellement impliqué dans les choses spirituelles? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous viviez autrefois? Moi, j'étais un enfant très ordinaire. J'aurais pas un témoignage absolument... époustouflant à raconter ici, puis c'est peut-être un peu ça qui est intéressant à voir, hein. C'est que je suis né dans une famille tout à fait ordinaire, là, comme les autres. J'ai été un enfant comme les autres, ni plus tranquille, ni plus tannant que les autres. On va demander à tes frères et à tes sœurs. ils pourront peut-être dire que j'étais l'enfant modèle, mais ça, vous êtes mieux de ne pas leur en parler. Mais là, j'avais mon père qui a placé en moi des bases de connaissance de Dieu et d'amour pour Dieu. Puis je l'en remercie là-dessus. M'a amené, en vieillissant, à vouloir savoir qui était en réalité Dieu. Dieu, je ne le connaissais pas personnellement. Et puis, en vieillissant avec mes études en sciences, je voulais des explications plus rationnelles, des explications plus terre à terre de Dieu. Que ce soit quelqu'un qui est loin dans l'infini puis qu'on ne connaisse pas, je ne me sentais pas à l'aise avec ça. Alors, je préférais le connaître personnellement, puis au travers de la nature aussi, au travers de la science. Est-ce que Dieu pouvait me donner des réponses scientifiques? Parce que la science, pour moi, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire, de tout à fait inexplicable, puis qui permettait aux personnes qui maîtrisaient un peu les sciences d'être peut-être plus aptes à connaître la vie.
Et puis, c'est un copain d'université que tu connais très bien, qui est ton fils. Ah oui, qui c'est vrai, ça me revient. Oui. Qui m'a présenté Dieu comme lui le connaissait. Puis ça m'apparaissait déjà beaucoup plus personnel, beaucoup plus rationnel, puis beaucoup plus proche d'une relation intime. Et c'est là que... C'est vrai, ça me revient, ça. C'est le premier contact hein, avec... avec la Bible, avec la parole de Dieu, mais avec aussi des gens qui vivaient leur foi à l'université. C'était à l'université. C'était à l'université, oui. Et toi, Linda, c'est venu beaucoup plus tard, je crois. Hein? Est-ce que c'est lorsque tu as rencontré Jean que l'intérêt est venu? Comment est-ce que... Moi, je ne sais pas du tout pour toi non plus. Non, moi, mon père est devenu, chrétien. Je devais avoir à peu près 4-5 ans. Ah oui, ça fait... Et puis, je voyais que des fois, ça faisait comme des chicanes un peu dans la maison. Ma mère, elle aimait pas ça. Ah, oui. Puis, il faisait pousser des craques. En fait, genre, mais elle comprenait pas. Et puis, ça m'a rendue curieuse. Alors, quand il en parlait, j'étais portée à écouter. Et puis... Il y avait des questions qui me venaient à l'esprit. Alors, j'allais voir ma mère, je lui posais la question. Là, ma mère, des fois, me répondait ce qu'elle pouvait ou elle ne le savait pas bien souvent. Pourquoi telle chose ou elle ne savait pas exactement quoi me répondre. Là, j'allais voir mon père, je lui reposais la même question. J'ai fait ça une couple de fois. Les enfants font ça, hein? Je me suis dit, là, il y en a deux, je vais voir qu'est-ce qu'il y a au juste. Puis là, mon père prenait la Bible, la parole de Dieu, puis là, il me lisait pas juste le passage, mais le dessus puis le bas. Là, pour tout le contexte. Le contexte. Puis là, il me disait, ben c'est ça, 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 ça. Il répondait à mes questions. Puis là, ah oui, Puis là, j'analysais ça. Je devais avoir à peu près 7 ans. Puis j'ai fait ça une couple de fois pendant quelques années, là. Et puis, mais j'adaptais comme ma façon de penser un petit peu avec ce que je pensais qu'il y avait de l'allure. Il me l'avait montré dans la Bible. Bon, il aurait pu se tromper, lui. Ça ne veut pas dire qu'il me dit quelque chose, que ça pouvait être ça. Mais là, il me montrait la Bible. Puis j'étais quand même capable de lire. Je lisais quand même très bien. Fait que j'étais capable de voir. Bon, il me dit, mais c'est écrit là, je le vois, là. Alors, j'ai continué de grandir comme ça. J'ai fait le pas de recevoir Jésus dans ma vie. Je devais avoir à peu près 15 ans, aux alentours de cet âge-là, où je me suis dit, ben c'est bien beau de savoir telle et telle chose, mais ça suffit pas de le savoir. Hein? C'est vrai. Ça suffit pas de savoir qu'il faut prendre un médicament pour une maladie. Il faut le prendre, ce médicament-là. Alors là, j'ai demandé à Jésus d'entrer dans ma vie et de... Je l'ai reçu comme celui qui avait payé pour moi. Vous vous souvenez de ce temps-là précis où vous avez invité Jésus dans votre vie ou si ça s'est fait graduellement plutôt? Ça s'est fait un petit peu graduellement, mais j'ai comme officialisé ça à un moment donné. Oui. Des fois, on connaît l'heure puis même la date. Hein? Il me semble que c'était dans un mois d'octobre. Ah, oui. Il était aux alentours de 4 heures, mais je ne me souviens précis. Pas oui, oui. Exactement. Et pour toi, Jean, est-ce que à l'université, est-ce que c'était précis aussi autant? Tu te souviens du moment, souvent les gens vont dire, bien, je me suis mis à genoux, comme cette semaine, on a reçu un appel suite à l'émission, la personne s'est mise à genoux dans le salon, puis a invité Jésus dans son cœur. Est-ce que c'était une expérience semblable? Moi, je me souviens, quand j'avais été invité à votre église, j'avais trouvé là un foyer d'amour puis une consécration à Dieu qui m'avait bouleversé. Et j'étais revenu à la maison en convaincu d'avoir vraiment rencontré Dieu pour la première fois de ma vie. Et j'avais dit à ma mère, j'ai trouvé ma place avec Dieu. Et un peu plus tard, par après, notre pasteur, Serge Lafrance, m'avait enseigné, juste avant de me présenter l'étude pour le cheminement vers le baptême, il m'avait présenté ça et puis m'avait dit, si tu n'étais pas sûr, ce soir, fais-le avant de te coucher. Alors là, j'avais répété l'expérience, mais je pense que Dieu rentre dans notre cœur
à partir du moment où on comprend puis qu'on décide de lui consacrer notre vie. Tu as mentionné le baptême. Tu te réfères au baptême par immersion. C'est ça. Le baptême des adultes. Alors, après avoir placé ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ, tu as voulu aussi t'identifier à ce baptême par immersion, qui est une très belle illustration, d'ailleurs, hein, d'ensevelissement de notre vie passée et puis nouvelle vie. C'est ça, oui. Bien, on a vu comment vous viviez un peu autrefois. C'était une vie, disons, assez ordinaire, comme la plupart des gens. Mais un jour, quelqu'un est venu sur votre chemin. Toi, c'était ton papa, Linda. Pour toi, Jean, c'était un copain d'université. Et puis, ça peut se faire comme ça, je dirais, pour une grande majorité des gens dans le monde. Oui, et c'est ce qu'on s'emploie aussi à l'église dans laquelle les je fréquente. Oui, d'aller dans la rue. On est à Longueuil, et puis sur la rive sud de Montréal. Et puis, on va dans la rue pour solliciter les gens. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent présentement puis qui se sont fait solliciter par quelqu'un. C'est un message qu'il ne faut pas laisser cacher, mais qu'il faut proclamer que Jésus-Christ est mort sur la croix pour chacun de nous. Amen. Et puis, quelqu'un a osé m'en parler, et puis vraiment, ça l'a transformé ma vie. Est-ce que ça cause des fois certains petits problèmes est-ce qu'on ne vous accuse pas d'être une secte? Est-ce que ça arrive des fois qu'on vous dise, est-ce que vous êtes une secte? Parce que les gens, ils ont peur, puis avec raison. Toujours. Comment vous vous en sortez? Comment vous répondez à pas vous vous en sortez parce que vous ne représentez pas une secte, je le sais. On essaie autant que possible de se détacher d'un ensemble religieux et surtout d'un modèle humain. Notre maître à penser, notre leader, c'est Monsieur un tel. Notre leader, notre raison d'être, c'est Jésus-Christ. Et puis, c'est un peu, on essaie de déconceptualiser ça, enlever l'idée du concept ou de l'idée théorique qu'on forme un groupe qui est à part. Et puis, en dehors de nous, point de salut, point de victoire. Au contraire, Jésus est venu pour tous. Il est venu mourir pour chacun de nous. Et c'est simplement ce message-là que l'on veut proclamer. Parce que les sectes ont souvent un gourou, un chef, tandis que vous avez le grand privilège de dire « notre chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ ». Et ce n'est pas une secte dans ce sens-là. C'est que tout le monde peut prendre la Bible, hein, puis regarder... Puis apprendre du Seigneur directement. Oui, oui. Par sa parole. Absolument. Puis, une chose aussi qui est importante de dire, c'est que souvent, quand les gens ont une soif de Dieu, et puis on a tout un vide qui a la forme de Dieu, puis c'est juste Dieu qui peut le remplir convenablement. C'est vrai. Et puis, les gens souvent vont chercher une autre croyance ou chercher quelque chose parce qu'ils ont besoin de se faire pardonner leur culpabilité, ils ont besoin de... Ils veulent avoir la vie éternelle, alors ils veulent la mériter, que ce soit par des souffrances, que ce soit en faisant des bonnes œuvres pour ça. Alors pourtant que Jésus lui-même dit qu'il a tout accompli lui-même à la croix, il nous l'offre. J'ai payé à ta place, c'est moi qui ai payé. Parce que dans le fond, il n'y a personne qui peut, payer par une œuvre, une seule goutte de sang que le Tout-Puissant a versé lui-même. On ne peut pas payer ça. Alors lui, il fait, il dit, je l'ai fait pour toi. Si, dans le fond, on peut le faire par des œuvres, bien, il est venu pour rien. Tu sais, tu fais des œuvres par amour. Moi, je ne suis pas fine avec Jean parce que je veux qu'il m'aime. Je suis fine avec lui, ben, je l'aime. Alors, c'est la même chose. Jésus a tout accompli. C'est à nous de dire, bien oui, j'accepte que tu aies payé pour moi. Et puis, merci d'avoir fait de moi ton enfant. Apprends-moi à vivre comme toi. C'est un très beau message qu'on vient d'entendre là. Puis, c'est quelque chose de pratique, de concret, venir au Seigneur. Hein? Souvent, les gens pensent que c'est quelque chose d'abstrait, mais Jésus est vivant, vous l'avez mentionné. Est-ce que tu as eu tes réponses, toi, Jean? Au début, tu cherchais dans la science Dieu, en réalité. Moi, mon rêve... C'est lorsque je vais le voir face à face, lui poser toutes les questions scientifiques qui n'ont pas eu de réponse. Ça fait rire, Linda, ça. Puis que je cherchais lorsque j'ai entré à l'université.
Jean, c'est déjà terminé. Linda, merci beaucoup d'avoir été à Toute la Bible en parle. Il faut revenir un de ces jours pour nous parler davantage de ce que le Seigneur fait dans votre vie. À bientôt. Bientôt. Merci. Nous sommes de retour en studio et je suis en train de regarder le verset dans le Nouveau Testament. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » C'est rempli de belles choses comme ça dans le Nouveau Testament. Je le sais, je l'ai lu à tous les jours depuis 48 ans. Et c'est un très bon livre qui a une promesse, plusieurs promesses pour vous. Bonne nouvelle aujourd'hui. N'oubliez pas notre documentation, les livres. Nous n'avons peut-être pas le temps de vous montrer les numéros de téléphone, je ne sais trop, mais j'espère que vous les avez bien notés au début et que vous aurez l'occasion encore de les voir. Ah, ils sont là, tiens! Alors, vous êtes privilégiés, notez-les bien tout de suite et appelez-nous pour demander notre documentation si vous oubliez les titres des ouvrages que nous vous offrons. Et Thérèse Lachapelle, nous la remercions d'un cœur très, très sincère. Elle va nous parler de son grand amour. Son grand amour ne se mesure pas. C'est obscur, que je n'y vois plus rien. Il m'éclaire, me rassure. Jésus, mon soutien, au plus fort de l'orage, il entend ma voix, me redonne courage. Son grand amour ne se mesure pas, comme je voudrais un jour lui ressembler, pour que jamais il n'ait honte de moi. Merci, mon Père, de nous l'avoir donné. Cette mort à la croix nous a sauvés. Merci, Seigneur, de m'avoir tant aimé. C'est lui qui me console, en lui j'ai le bonheur, je garde sa parole au fond de mon cœur. Conduis Jésus ma vie, car elle est à toi, ta grâce me suffit. Tiens-moi dans tes bras. Son grand amour ne se mesure pas, comme je voudrais un jour lui ressembler, pour que jamais il n'ait honte de moi, de moi. Merci, mon Père, de nous l'avoir donné. Cette mort à la croix nous a sauvés. Merci Seigneur de m'avoir tant aimé, aimé. Sa parole est parfaite, sa force me soutient, mon âme est satisfaite. Quand il tient ma main, quand mon cœur est docile, il me conduit plus haut. Tout redevient facile, de plus en plus beau. Son grand amour ne se mesure pas, comme je voudrais un jour lui ressembler. Jamais il n'est honte de moi, de moi.
Merci beaucoup. C'était Thérèse Lachapelle. Je peux vous dire franchement que j'aime bien Thérèse Lachapelle. Ses chansons ont quelque chose là que je n'arrive pas à expliquer, mais j'espère que votre cœur a été touché aujourd'hui et aussi dans les dernières semaines, si vous avez eu le privilège de l'entendre. Vous avez ici sur la table une cassette de Thérèse Lachapelle. On peut retrouver ces cassettes dans plusieurs bonnes librairies évangéliques dans la province de Québec. Elle en a chez elle aussi, à Granby. Et nous serions très, très heureux de vous mettre en communication avec elle d'une façon ou d'une autre si vous désirez continuer à écouter ces belles chansons qui sont plus que des chansons qui divertissent, mais qui touchent aussi l'âme, qui touchent le cœur. Nous allons vous mettre les numéros à l'écran. Je ne vous montre pas la documentation, vous la connaissez bien, le Nouveau Testament que nous vous offrons et le Christ inconnu, les leçons de Marie. Demandez notre documentation, appelez-nous, utilisez l'un des numéros les plus près de chez vous. Il nous fera plaisir de vous faire parvenir cette documentation que nous vous offrons gratuitement. Ne manquez pas la prochaine émission, nous accueillerons Noël Aubut avec un nouveau message et le chanteur Jean Sauvageau. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée.